demain. Demain, c'est jeudi. Et le jeudi, l'école est fermée. Et dans la plupart des cas, les parents travaillent. Bien sûr, on peut toujours retrouver d'autres camarades et passer son jeudi à faire des farces. Tirer les sonnettes, par exemple. Ou marcher dans les flaques. Ou encore faire de folles parties de football sur les places publiques. Ceux qui ne sont pas admis sont bien tristes, et ils cherchent vainement une distraction pour eux. Il est vrai que les endroits qui leur sont réservés sont bien restreints. Quelle joie de se retrouver en pleine nature! Quand on est en plein air, les activités ne manquent pas. En voici qui partent allègrement pour un grand jeu. L'équipe des douaniers se dirige vers le petit bois où les contrebandiers ont l'habitude de camoufler leurs marchandises. Il s'agit de ne pas se montrer et d'agir par surprise. Les contrebandiers ont été découverts. Vite, ils partent à la recherche d'un autre refuge. Quelles aventures passionnantes ils auront vécues. Ah, ici, on s'entraîne méthodiquement en vue d'un match contre l'équipe d'un patronage voisin. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Formidable! L'équipe adverse n'aura qu'à bien se tenir. Et que de choses passionnantes à découvrir au cours d'une visite au parc zoologique. Voulez-vous bien vous retourner, petit curieux? Mais oui, tu es beau, tu es très beau. Les Benjamins jouent au mouchoir. Et les grands se construisent un golf miniature, qui sera bientôt le terrain de parties passionnantes. Ce sont les guides formés par les francs camarades, des élèves maîtres, des jeunes étudiants, apprentis et bien d'autres. Dans chaque région, des stages sont organisés. Des stages de formation générale, premier degré, second degré, des stages de spécialité, au cours desquels les stagiaires apprennent des jeux, des chants, des activités multiples et variées. Ensuite, sous la responsabilité d'instituteurs, ils seront en mesure d'animer nos camaraderies et nos patronages.
ciel se couvre. Il pleut. Eh bien, tant pis. Nous jouerons à l'intérieur. Nos guides savent divertir les enfants par tous les temps. Ceux qui préfèrent les activités manuelles n'ont que l'embarras du choix. Ici, on se fabrique des poupées. Voici les vanniers. Les ébénistes. Sans oublier les artistes peintres. Chut, ici, le silence est de règle. Nous voici maintenant chez les artistes. Voici un chef-d'œuvre qui fera très bien dans le musée du patronage. Des spectacles sont également organisés pour nos francs camarades. Théâtre d'ombre, cinéma, marionnettes. Ici, nous assistons à un spectacle de théâtre d'ombre. Allons maintenant voir les marionnettes. Oh, mon âne, tu sais, je suis bien fatiguée. 30 magasins avant de trouver un caracou qui te plaise. Tu n'es pas fatiguée? Eh bien, nous allons nous coucher et dormir. Ah, un âne, et je ne les aime pas beaucoup les ânes, et celui-ci encore moins que les autres. Et pour lui prouver que je ne l'aime pas, je vais lui donner mal à ses yeux. Tu auras mal à tes yeux. Oui, tu auras mal à tes yeux. Monsieur le magicien. Ah, me voici. Oh, monsieur le magicien, je crois que mon âne est malade. Nous allons voir ça, nous allons voir ça. Quelques passes magnétiques. Attention, brut, brut, brut. Eh bien, je vois, je vois. Votre âne a mal à ses yeux. Oh, mon âne a mal à ses yeux. Oui. Et qu'est-ce que je dois faire pour le soigner, s'il vous plaît? Il faut lui faire une paire de lunettes bleues. Une paire de lunettes bleues? Une paire de lunettes bleues. Une paire de lunettes bleues. On chante également beaucoup chez les francs camarades. Thank you.